Non, 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 vous êtes. Ah, dans l'aiguille. Non, mais votre prénom, voyons. Ah bon? En plus, t'es venu avec Dame! Starf? Ah, j'ai bouché les chiottes! Enlève-moi, putain! Je ne t'en perds pas! Ramène la ventouse! Ok! Allez, vite, bonne! Tu la poses là! Vous remarquez pas un petit problème là? C'est ma conduite sportive qui vous indispose? C'est quoi ce qu'il y a devant vous là? Un panneau? Un panneau? Sans interdit! Et donc? Vous conduisez à l'enfer! Flûte! Je trouve ça quand même un pratique dans le sens, ça! Je suis désolé pour mon retard! Ah bah bonjour l'ambiance, pourquoi personne parle là, c'est morbide. Mais t'es nouveau toi, ça boum. Ok, 3, 2, 1. Maman, il y a des ballons. Jus de pomme. Zito. Il bien fait en plus le bonheur. Zito. T'aurais pas vu mon méchant son urine, je vais le mettre ça là. Ah non, par contre tu déconnes, mon jus de pomme c'est du Ambrose. Ah non, c'est du urine. Oh putain. Et dehors, on a plus de frites. T'inquiète, moi une patate, je vous l'occupe. Hein? Mais je parlais du féculent. Oh le quiproquo, désolé, tiens. Pourquoi elle m'a détruit toi, patate? Mais celle-là elle est pas justifiée. Ah non, c'était pour plaisir. Vous allez trop vite et le sol est glissant. Attention la doigt d'arrêt. Le danger est imminent, utilisez le frein à main. Comment on fait? Vous chopez le manche et vous tirez d'un coup sec. Ok. C'était pas le frein à main, c'est un jeune homme. Un petit peu tard pour prévenir. En effet. Ouais. Tiens, ils sont pas mieux aujourd'hui. Mais non, c'est toi? Non, c'est Damien, moi je l'ai encore raté. Quoi? Oh, car. Moi? Bah non, je parle au mec de B derrière toi. Ah bon, mais où ça? Putain, mais c'est à toi que je parle. Ok. Vide ton sac, maintenant. Ah ouais, ok. En gros, depuis 6 mois, depuis que ma meuf m'a quitté, il y a plus rien qui va. Putain, c'est pour ça que je fais ce métier. Ah ouais, j'ai besoin de votre nom pour mettre sur le gobelet. Ah, dis-toi. Mais c'est un prénom de merde, ça. Ah bon? Ah bah oui. Oui, clairement. Papa? Bah non, vous êtes adopté. Bye bye. Miskin. La flûte. Ref, ça s'écrit comment? B-R-E-F. Mais non, mais votre prénom. Ah, bah comme ça se prononce, mais sans le F. Il y a pas de F dans dis-toi. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, le café, c'est avec ou sans patate? Attendez, mais il y a pas de patate dans le cœur. Que se passe-t-il? On est bloqué dans la neige, mais les chaînes sur les pneus. Je mets laquelle? Ah, ok, donc pour la 1. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Putain, mais t'es fini à la puce ou quoi? T'as une bande contre la chosale? Ouais, elle fait un petit plouf. Mais tu viens de manger, tu risques l'hydrocution. Je m'en bats les couilles. Mais mouille-toi au moins la nuque. Pas besoin, je gère. Et Didier est mort. Il nous a quittés suite à une attaque cardiaque fulgurante. Bonjour. Bonjour, je prends un Big Mac s'il vous plaît. Fric coca? Non, non, juste le burger, ça va aller. Avec ceci? Non, mais je prends que ça. Vous voulez pas une boîte de nuggets? Non, mais ce sera tout. Ou alors sinon... Mais j'ouvre ça. Un petit massage? Le pour la poêle. Il est où? Bah regarde dans le placard à poêle. Okidoki, il est. Il y a un petit pic celui-là. Bon. J'ai pas trouvé. Non, mais c'est quand même pas compliqué. De savoir pourquoi t'es nul, tu vas y aller dans le placard à poêle. T'es duré. Flûte. T'es sympa ta collection de voitures. C'est la collection de mon père. Hein. C'est la valeur que celle-là. Oui, c'est une Jeep de 1940. Non, t'as oublié une pièce. Attends, mais il était solide ton père. Non, liquide. Chanteur, il soyez rapide, on n'a pas le temps. Ok, Doc. Bon, comment allume... Vous voulez être rapide? Non, c'est votre réponse, il doit être rapide. Ah, cache capté. Bon, comment allume-t-on les feux de croisement? Rapide. C'est un réunion l'espèce animale ayant le plus petit pénis du monde. Ça te fait rire, dis-lui tout, tu sens concerné. Imagine, c'est... Ah, il y a un micro-pénis. C'est quoi? Dans les vestiaires de sport, la dernière fois, on l'avait vu. Ah, mais oui, c'est un véritable knacky ball. Non, mais la fille de ma mère, comme c'est faux. Ah bah alors que c'est que la fève. Perso j'ai pas rien non plus. Ah bah je viens de finir et j'ai rien. Oh comment c'est possible? Ah bah c'est mamie. Félicitations. Oh mais arrête de bouger. J'arrive pas à te la mettre. Arrête. In nomine patris et fi... Madame? Oui? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Oh, dans 5 minutes. Quoi? Bah je vais... Tu t'es chié dessus, non? Les gars, il y a un mec qui vient de tomber dans l'herbe juste ici. Bonjour, vous êtes vierge? Je sais pas de mon signe astrologique. Ah non, mais c'est pas mon signe. Oh la boulette, autant pour moi, je savais pas que vierge était un prénom. Ah bah je savais pas non plus. Mais alors pourquoi vous m'avez dit...
Ah bah c'est pas trop tôt, bon t'as changé ton petit frère quand je te demandais. Ouais c'est moi. Ah ouais, Kay, nickel. Mais putain c'est qui lui? Ali. Bah lui c'est Yannis, c'est son remplaçant. Comment ça son remplaçant? On a dit de l'échanger. Changer sa couche. Maman. On parle. Ah dis-moi tout. T'as été adopté. Hein? Yep. C'est qui ma parole de logique? Non mais c'est moi et ta mère. Comment ça je comprends pas hein. Ah, vous arrivez. Mais qui ça? Bah t'as une nouvelle famille. Il n'y a pas de carrière. Ah bah j'espère hein. Allez, ouvrez grand la bouche et faites. Grande nouvelle à t'annoncer. Dites-moi. On a reçu tes résultats d'examen. Alors? Tu passes en terminale. Mais j'ai que 12 ans. C'est pas un problème. Bah veut dire j'ai sauté 5 classes après moi. Elon Musk. Alors ça te plaît? Oh, j'imaginais ça plus fun quand même. C'est ça? C'est bien ça. Très bien, alors je vous demande de bien tendre votre bras vers l'avant. Ça va pas être possible hein. Oh, il va te porter ma petite piqûre. Non mais physiquement il peut pas hein. On fait tourner le fort monsieur, on va y passer la journée. Oui, ça arrive. Bah, j'ai mal au bidon depuis 3 jours. Tu vas regarder ce qu'il y a dans le fond. Ok, alors je vous laisse ouvrir grand s'il vous plaît. Ah, ah non, pas la bouche voyons. Bonjour. Oui bonjour, alors d'accord, donc frites coca avec le Big Mac c'est ça hein. Non moi je voulais une boîte de 4 nuggets, 3 suppléments, sauce déluxe à 8 euros, c'est noté. Mais nickel. Ah ouais, bien, donc 149 euros prochain guichet. J'espère que tu vas pas aller sur la commande hein. Et voici. Oh bah nickel, un croque McDo. Prendre votre nom. Alors Exilto. De la couleur page. 20 ans. Sexe. 3 cm 5. 4, dans de bonnes conditions. Enfin je parle les vôtres. Mais c'est parce que la clim et tout, on t'en prendra. Mais c'est pas la question. C'est pas le cas qui compte hein. Sortez du physique. Oui. Oh, je suis le chauffeur Hubert. Qu'y a-t-il? Vous êtes né au Moyen-Âge ou quoi? Hubert, hein? Ouais, c'est quoi ce prénom? Je m'appelle Kevin. Hein? Je suis Kevin, votre chauffeur Hubert. Vous avez deux prénoms? Donne-nous la course. À la prochaine, le schizophrène. Allez, mamie. Oh, salut. Oh, le dentier de la vieille croûte. Ton quoi? Mon sang à l'urine. Je l'ai. Tes paroles, le mot d'ordre de colle que je t'ai mis hier. Bien sûr, madame la maîtresse. Regardez. Et te fous de ma gueule, il est peut-être dyslexique. Acheter au Moyen-Âge pour comprendre. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis un peu ballonné. Nous sommes en cours d'histoire là. Oui, mais j'ai une mémoire visuelle donc je vais apprendre mes cours en adoptant un mode de vie ancestral. T'as pas une raison pour te faire qu'un mieux de la salle. Hey, tu m'appelles? Bon, dis-le, ça suffit. Mais je parlais de pas. Tu prends la porte et toi, tu prends la tête. C'est grâce à tout ça qu'on a pu découvrir au 18e siècle. C'est pas ici le tour du cuisine. Ça, moi je me barre. Mais tu vas aller où? T'amènes pas d'argent. Si. Bon, je reste. Et le toc. Grave chaud. Ah ouais, ok, je fais le service. Tu bouges pas, mais qu'est-ce que tu fais? Arrêtez, s'il vous plaît. On se fait ou quoi, c'est ping? Mais attends, c'est hyper raciste comme blague, ça. Ah bon? Bah ouais. Bien, oui. Mais la voiture, elle recule toute seule, c'est une Tesla ou quoi? Un frein à main, putain. Star. Petit point positif. Quoi? Le Bluetooth fonctionne encore. Mais fin d'année, on va faire une pièce de théâtre. Yes. Et ce sera Roméo et Juliette. Mais je peux être Roméo? Eh non, c'est mort, c'est moi hein. Je suis un puissant frère, c'est quoi ce retourneur? Mais ferme ta gueule. Libo TV. On t'a jamais dit que t'étais un beau gosse? Non, pourquoi? Ah non, mais c'était pas une question. J'ai pourtant mis hein. Ne me dis pas que... Oh, coucou mon chou, alors j'ai mis tes nouvelles tenues à l'école, t'as reçu plein de compliments. Pourquoi tu m'as acheté ça? Parce que je ne t'aime pas, Jérémy. Ça va? Ouais, mon Timothée. Ah ok, je peux t'appeler Totof. Ah c'est pas mon prénom, mais ça te rend pas si bien un peu dit. Pas trop fort, j'ai les acouphènes. Attends, l'air violent. L'affaire du siècle. Comment je dis arnaquer les femmes pliables à 150 balles, c'est un braquage. Stonks. Ouais, tiens. Ah ouais, si, mais raconte, tiens, regarde. C'est pas une choupa choupe, ça? Quand même du bien de partir en vacances en famille, hein. J'espère qu'on a rien oublié, hein, parce qu'un pote demi-tour, hein. De toute façon, si on l'a oublié, c'est que c'est pas important. Ah mais oui, t'as raison. On peut pas aller avec toi, oui. Oh, attends, le poste-moi, j'arrive. Merci. Tu veux ramener la boîte d'eau? Oh, on fait le rêve.
Bonjour, monsieur le serveur. Qu'est-ce que je vous sers? La pince.